À Moscou, le baron Kronacker est amicalement reçu par le maréchal Voroshilov. L'an nouveau offre l'occasion au président de la Chambre belge d'apporter au chef d'État soviétique les vœux de la Belgique. Au Kremlin, les danses enfantines du Nouvel An sont présentées au président et à la baronne Kronacker comme un hommage de cordialité de l'URSS à la Belgique.